J'habite ici depuis 60 ans. C'est comme un village ici. Bonjour Josette. Tu peux aller voir dans la boutique, regarde un petit peu. Un projet amène l'autre. Après le tricot, ça a été la boutique. Assieds-toi Josette, mets-toi à l'aise. Puis il y a eu le potager, puis il y a eu les confitures, puis il y a eu la distribution du potage gratuit pour tout l'hiver. Ça va? J'ai du temps aujourd'hui, donc je peux venir un peu aider, ça va? Regarde là, elle commence à devenir rouge. Et avec ça, on fait les confitures. Tout cet espace ici, c'était vraiment un dépotoir où il y avait des machines à laver, des déchets, des tapis, tout ça. Les habitants ont commencé tout doucement à prendre des conteneurs et à les mettre dedans pour en faire une terre cultivable. Waouh! Il y a les bacs permaculture, il y a les bacs à compost, il y a le potager collectif, il y a le verger citoyen, il y a les ruches, il y a les serres et il y a les parcelles de l'école. Quand je vois le résultat de tout ça, je me dis que notre collectif est vraiment soudé et qu'on a une force incroyable. C'est que même si on ne connaît pas la terre, même si on ne connaît pas des choses, on apprend énormément avec l'un ou l'autre. C'est grâce à tous ces projets que j'ai connu le quartier. Ça apporte du bonheur, évidemment, et de la convivialité, hein, et de la solidarité surtout.